Soutenir les jeunes qui viennent manifester pour le climat, je trouve que c'est tout à fait génial. On est là pour le climat parce qu'il est temps qu'on bouge, parce qu'on sait maintenant, enfin on sait depuis longtemps que l'agriculture animalière c'est une des causes principales du réchauffement climatique. On est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Donner la faute au peuple et maintenant notre devoir est d'aller dans la rue et montrer aux politiques que c'est pas nous, mais il faut prendre le problème à la racine chez les multinationales qui, même en Belgique, polluent énormément. You agree? Yes, totally. Okay, bah ouais. Juste une petite question, un peu pour tester votre culture générale. Qui est le plus grand pollueur de la Terre? Oula. Le pays, facile. En termes de pays, je dirais la Chine ou les États-Unis. Félicitations, c'est la Chine. Voilà. Que représente la Belgique en termes de pourcentage d'émissions de CO2 dans le monde? Ça, je sais pas. 0,3%. Aujourd'hui, ils parlent de dépenser plus ou moins 89 000 milliards pour décarboniser la planète. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend de quelle manière, parce que on parle de décarboniser. Tous les foyers du monde, donc si on ramène ça à la Belgique, on parle de 20 000 euros par an, jusqu'en 2050, pour décarboniser les foyers belges. Mais c'est des actions qui sont très utiles et très bien, mais je pense que c'est pas assez et ça suffit pas. Et c'est de nouveau la même chose, on met la faute à l'individu qui doit améliorer son foyer, c'est vrai, on doit faire beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites aussi par les multinationales et par les politiques. Pourquoi t'es là? Je suis là pour manifester contre ce qui nous déplaît et on est là pour le changement climatique, pour essayer de trouver une solution. Et pour toi, quelles sont les solutions? La solution, déjà, tout d'abord, je propose à l'État, à la place de nous faire une seule journée sans voiture par an, de nous en faire une fois par mois ou une fois par semaine, ce qui va beaucoup améliorer les choses. Alors, certaines personnes disent que le CO2 c'est la vie, qu'est-ce que tu en penses? Pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord, pourquoi? Je sais pas, mais pas du tout d'accord. Tu préfères quoi? T'es ici avec tes potes aujourd'hui? Je suis ici avec l'école, c'est l'école qui a organisé cette sortie. Et donc voilà, on est vraiment très content que l'école ait pris cette initiative. C'est l'école même qui a organisé? C'est pas les élèves? C'est l'école qui nous a plus encouragés à venir ici pour pouvoir manifester et proposer notre désaccord. Et toi, tu en penses quoi? Franchement, c'est une bonne initiative de la part des jeunes parce qu'il faut manifester contre ce climat qui est en train d'augmenter, quoi. Je trouve que c'est courageux quand même de la part des jeunes. Parce que, un peu comme tout le monde, quoi, parce qu'on doit se battre pour le climat. Moi, ça fait depuis des années que j'en suis conscient, parce que j'avais des parents hippies à l'époque, donc ça fait depuis que je suis né, qu'ils me disent qu'il faut faire quelque chose pour le climat. Donc maintenant que je vois les gens qui commencent enfin à se bouger, je participe, quoi. Mais à mon avis, il faut faire des actions un peu plus concrètes, mais je marche déjà pour soutenir le mouvement quand même. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est de notre faute. Hein. Parce que je voulais voir Greta et je viens tous les jeudis. Mais je ne suis pas étudiante, je travaille. Mais je ne travaille pas les jeudis, donc je viens tous les jeudis. Pour soutenir le climat, enfin pas le climat, mais pour que le gouvernement change les choses, parce que ça n'a plus du tout. Je suis là pour manifester contre ce qui nous déplaît et on est là pour le changement climatique, pour essayer de trouver une solution. Pas du tout d'accord. C'est pas formel, enfin, il en faut, mais enfin, je vais te dire, l'eau, c'est la vie ou c'est la mort? Je meurs, j'en ai 100%, je meurs, tu vois. Ben, c'est pareil le CO2, j'en ai pas, mes plantes vont pas savoir se développer, j'en ai trop, j'ai des problèmes aussi. Donc je suis ici pour manifester en faveur du climat, donc pour qu'on prenne des solutions pour éviter
pour éviter les changements qui vont nous arriver droit dans la gueule. Ok, tu peux me les nommer par exemple ? Ouf, je pense qu'il y en a beaucoup, que c'est dur d'être exhaustif. Je suis pas sûr d'avoir les compétences pour dire tout de manière juste et correcte, mais il y a clairement un problème de montée du niveau de la mer. Il y a clairement, je suis étudiant en agronomie ici, oui. Voilà. Et du coup, clairement, on sent déjà qu'il y a plus de sécheresse, que ça devient compliqué comme métier, que le réchauffement pose des problèmes avec plus de maladies, plus de sur nos plantes. Et donc, voilà, je ne sais pas tout citer, mais clairement... J'ai compris. Voilà, exactement. Voilà. Il y a une étude récemment dont le responsable de tout ce qui va justement de l'agronomie en Écosse qui dit que le CO2 a clairement aidé à la croissance de tout ce qui est forestation, etc. dans le monde, que ça a augmenté plus ou moins entre 17 et 30%. Je ne sais pas répondre, je ne connais pas l'étude. D'accord. Désolé. Il n'y a pas de problème. Et le CO2, c'est la vie ou c'est la mort ? C'est pas formel, enfin, il en faut, mais je vais te dire, l'eau, c'est la vie ou c'est la mort ? Tu sais pas répondre à ça. Si, j'en ai pas. Je meurs, j'en ai 100%, je meurs, tu vois. Ouais. Bah, c'est pareil le CO2, j'en ai pas. Mes plantes vont pas savoir se développer, j'en ai trop, j'ai des problèmes aussi.